Tu sais quoi, c'était ça aussi. This is not organized one, yeah. So this is your first time? Yeah, this is the first time in my life. So you have to come to a traditional medicine gathering but to have this kind of thing? Yeah. That is, you know, formal thing. I hope my potential immunity with me. There is no need of yellow fever injection or anything. But they feel. That's why I take it. Certainement. Good evening, everybody. La première personne qui ouvrira, scientifiquement la journée, c'est l'honorable professeur Montagnier qui nous a fait l'honneur de venir jusqu'à nous. Puis le sénateur Guéry nous racontera quelle est la genèse de cette aventure. Des questions? Question? Vous fumez? Yes. Thank you. Je suis très heureux d'être ici à Yaoundé avec vous pour ces entretiens que j'avais à cœur d'organiser et qui sont l'aboutissement de 2 ans de travail. Je déclare ouvert au nom de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Les travaux du colloque scientifique international intitulé « Des entretiens de Yaoundé 2009 » sur le thème « Le malade des pays en voie de développement face aux thérapies traditionnelles et scientifiques ». La suivante. Et ma proposition, c'est qu'on trouve des solutions pour que le traitement soit court et que ceci amène à une éradication de l'infection virale. Il y a une deuxième partie important dans cette recherche, c'est de trouver des inhibiteurs spécifiques de cet ADN viral. Et si nous les trouvons, eh bien, nous aurons probablement fait un grand pas pour l'éradication de l'infection. Je veux juste comprendre, est-ce que la médecine traditionnelle chinoise a-t-il découvert des antirétroviraux? Advantage of the TSM is just to maintain and boost in the immune system. And to relieve and reduce the symptoms and the size with HIV/AIDS patients. When it comes to standardize the process, where in South Africa, in Europe, they insist on washing and drying, do that, we know of very many medicine of plants. You wash, you lose entirely the whole content to cure the composition. Ça c'est quoi? Dire qu'il y a un modèle pour la santé, cela signifie qu'on connaît l'homme entièrement. Or, depuis la conférence d'Alma Ata 1978, nous savons qu'il faut coûte que coûte tenir compte de la diversité culturelle. Chinese and India were never conquered. We were conquered. So our traditional medicine has to go underground. Resistance, it was forbidden because the priests of the 16th century were very, very hard and even kill people that have different practices than Europe. Des questions au docteur Sharma de l'Inde. Est-ce que c'est vrai
que la formation des médecins traditionnels ne se fait plus par l'oralité. Quand vous prenez en charge un malade, vous avez sa partie visible et la partie invisible. Et cette partie invisible, vous devez faire des investigations par rapport à cela. Et pour y réussir, j'ai dit, il y a un élément extrêmement important, il faut pouvoir écouter le patient. La biomédecine en Inde, la biomédecine en Chine, à Paris ou à Londres, sont des pratiques qui peuvent être différentes. On parle d'une pluralité de médecine. Évidemment, il y a des éléments qui réunissent et qui permettent de l'identifier. Un exemple, les suppositoires sont quasi jamais prescrits en Angleterre, alors qu'ils sont énormément prescrits en France. J'aurais pu prendre l'exemple des anxiolytiques, mais je le trouvais moins amusant. On a découvert un légume traditionnel, Psophocarpus candens, qui était à l'état sauvage, qui n'était pas mis en culture et qui était en train de disparaître. Et à notre grande surprise, ses feuilles sèches faisaient du 39% de protéines, pois secs. Welcome. Thank you. Welcome from Kinshasa. I'm from India. Welcome from India. Welcome from Kenya, from Nairobi. Et alors, je suis un petit peu un peu dépassé par le succès, je dois dire. Hein. Et depuis deux jours, je dois vous dire que je bois du petit lait. Et c'est grâce à vous que je suis aussi heureux. Merci pour tout ce que vous avez fait. Des côtés du monde. Pardon ? Du monde. Plusieurs côtés du monde, il dit, parce que c'est Brésil et puis moi. Oui, là c'est assez extrême. Voilà. Alors, d'une extrême à l'autre. Alors, c'est qui est distant ? C'est chez elle ou chez moi ? On ne sait pas. C'est cette question. Ça dépend du point de repère. Voilà. Et où est le nord ? Le nord pour qui ? Hein ? La terre patrie.